Et bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle fable sur Sea of Seas, cœur ardent. Donc découvrir la planque de Stitcher Jim. On a trois chemins différents à emprunter, trouver le coffre de rage, les cinq journaux, finir le récit trois fois pour débloquer toutes les promotions. Ouvrez la fable à l'avant-poste Moro's Peak dans le Devil Roar. C'est parti. There you are. I was starting to think you wouldn't make it. These are dangerous times if the stories of pirates releasing Captain Flameheart are true. I know a few people who'd like a word with them about that. I mean, they used to say Flameheart lived for battle and bloodshed. Last time he was around, he nearly brought the Sea of Thieves to its knees. No one could stand up to him. Then one day, he simply disappeared. Still, not everyone's afraid. There are those of us, like Captain Pendragon, who are working to find Flameheart and stop him before he can regain his former strength. Since you're here, I assume that means we can count on you for your help. When we know more, we'll be in touch. In the meantime, do me a favor and take that journal back to Grace, would ya? She's always leaving it lying around. Is that my journal you're carrying? Don't tell me I left it behind again. Not that there's much in there. Just some notes of my time in the Devil's Roar, and all the things I'd like to do to... Wait! Can you hear that? Something's coming. At last. Tallulah told me she'd send for pirates who wouldn't shy away from battle, and here you are. I need your help, and quickly. My crew are in danger. Aren't you Captain Pendragon? Last thing I heard, you didn't have a ship left, much less a crew. Oh, my friends and I parted ways long ago. But their personal effects were still aboard the Black Witch. Stitcher Jim must have taken them to use in his vile ritual. Did you say Stitcher Jim? Yes, the same wretch who freed me from my painting and deceived me into unleashing Flameheart. Not that I knew his name at the time, of course. They say he used to serve the gold hoarders. But it seems he's changed allegiance once again. Oh, trust me. I know who Stitcher Jim is. If he's working for Flameheart, we're all in trouble. Where is your crew now? Rumors say he confronted them with an armful of dark relics and bound their spirits into some kind of cursed chest. Madame Olivia believes he might try and use its power to summon an Ashen Lord to the Sea of Thieves. Ashen Lords? I've heard the stories, and those were bad enough. It seems Flameheart needs to rebuild his army, and he's using my crew to do it. We must recover that chest from Stitcher Jim, whatever the cost. I've always used my journal to keep track of Jim's whereabouts. Take it with you, and use it to hunt him down, before it's too late. Ok, bah écoutez, bah c'est parti alors. Hein. Donc pour la première étape de ce voyage, de cette aventure, il va falloir aller à Liar's Backbone. Trouver le refuge de Stitcher Jim. Le traître. C'est boîte de nuit. Trouver le repère du traître. Dépouillez-moi cette vermine de Stitcher Jim. Pourquoi il y a 4 symboles là? 4, 5. C'est le T. Comment c'est le T? GG. Tout au fond du cœur ardent sur Devil Falls. Ok. Go dans le Devil Roar. Tout au sud. Il
Il va falloir donc monter du côté nord-nord-est de l'île. On va allumer le calice. Il se fout de ta gueule. Ouais, je crois qu'il se fout de moi, ouais. De ouf, hein. Vas-y, attends, bouge pas, j'arrive. Attends, attends-moi. Je vais le calmer, mais... Bon, du coup, faut suivre les lumières que ça allume. Direction nord, on va sous l'eau. Allez, les gars, mode sous-marin. En mode soum-soum. Waouh. La tête du squelette, on dirait que son truc au-dessus, c'est un chapeau de paille. J'avoue. Gara, tu viens ? Les trucs de Chong. Ouais, de ouf, ouais. On aurait peut-être dû reprendre notre souffle avant, les gars. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis mort. Je crois qu'il y a vous à suivre. Non. T'es mort quand? J'ai glissé. J'ai glissé, chef. Mais ouais, Gara, je t'ai vu, tu bavais là sur le rocher et du coup j'ai glissé sur... Je suis là à chaque fois. Il est en mode Power Ranger là. Power Rangers, allez go. Sea of Swimming. Attends, t'inquiète, tu vas top par de feu. Voilà, donc ici, arrivé dans cette pièce, on a trois chemins possibles. Chemin 1, chemin 2, chemin 3. Moi, je conseille qu'on prenne le 1. Bon, c'est ici. C'est lui ? Ouais, c'est lui, bien joué. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as acheté une boîte de feu sur l'écran, là, tu regardes en haut, il y a les symboles. Oh. Mon pied a touché, il y a mon orteil qui est tombé dans la lave, chef. J'avais 203. Pas si easy. You won't last much longer. Ah bah ça promet. Easy. Là, faut pas ramener Ratata ici les gens. Je croyais que tu l'avais fait. Oh la porte. Lol. Gara, ça le fait bien marrer en tout cas. En fait, faut y aller quand il est vers soi. Behold, the galleon that once ruled these waters.
Il est là le traître, je lui ai une balle direct. Passera les pièges sans encombre. Gara, c'est le PGM. Il y a des pièges là. Ouais. J'ai en face avec le coffre. Ouais, faut aller en face. Ouais. C'est sympa les petits squelettes qui tendent les bras pour te faire un câlin. J'ai pas l'habitude de donner les coffres. I'm going to attempt to reverse the ritual. I can only hope there's something of my friends left to save. Harry Potter, le Wingardium Leviosa. Ah ouais, non, là il va plutôt en Conan le Barbare, mon gars. GG à vous, en tout cas. Merci, les gars. Ouais. Ah, c'était que 6008 là. 8000 balles, ouais. Et la coque cendrée. Et bien voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Il y a des time, les journaux sont en fin de vidéo comme d'habitude. Je vais mettre des timers dans la description. Et n'oubliez pas que pour que les journaux apparaissent, il faut absolument que la fable soit activée. Sinon les journaux ne seront pas à l'emplacement désigné. Allez, à bientôt l'équipe. Avant de vous donner l'emplacement des journaux, je vais vous donner une autre petite astuce. Il est possible de réaliser les trois chemins en une seule fable. Vous allez chercher le coffre, comme d'habitude, vous faites votre fable. Votre coéquipier prend le coffre, reste dans le donjon, pendant que vous, vous prenez la sirène pour retourner sur votre navire. Une fois sur votre navire, vous allez à l'eau, vous retournez à l'emplacement où vous placez la gemme. À l'entrée, il y aura une sirène pour rejoindre votre coéquipier à l'intérieur du donjon. Une fois à l'intérieur, ça vous ramène au tout début. Vous réalisez le parcours comme d'habitude, ça vous ramène à la pièce où il y a les trois chemins, les trois portes. A vous de choisir le bon chemin, vous pourrez débloquer les journaux ainsi que les trois chemins empruntés. Vous ne pourrez pas débloquer de nouveaux coffres, malheureusement. Le premier journal, vous pourrez le trouver sur Liar's Backbone. La première île. La quête, la fable vous amènera dans la grotte du traître Stitcher Jim. Quand vous rentrez dans la grotte, il est posé sur l'échafaudage à l'entrée. Changement de plan. Le deuxième journal, vous le trouverez dans la pièce où il y a les trois chemins, les trois portes. Il est au niveau de la deuxième porte, celle du milieu, posée sur le rocher juste ici. Le désordre des âmes.
Alors, dans le chemin du roi éternel, quand vous avez les pavés de lave qui vont passer à travers, vous avez un journal juste à gauche ici. Vous allez sur le dernier caillou. Un coffre de rage. Sur le chemin de la flamme oubliée, vous avez passé la porte, vous avez battu les squelettes, déposé juste sur le tas de crâne, sur la pierre. Au revoir, Black Wish. Donc sur le chemin du cœur ardent, vous avez encore un journal. Vous êtes juste ici. Infernal. Quand vous finissez la première fois la fable, vous débloquez la coque cendrée pour votre navire. Une fois que vous avez terminé l'intégralité des défis, vous débloquerez la malédiction cendrée.